Et salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode numéro 5 de Arc sur Pokémon. Oui, tout à fait, on est de retour, ça faisait longtemps. Et oui, je fais beaucoup de séries en ce moment, j'ai eu ça dans les commentaires, c'est normal. Mais on va essayer de les terminer tous, on va essayer de tout terminer. J'espère que ça vous fait plaisir que ça revient cette série avec Oxylac. Bonjour Oxy. Bonjour, salut les amis. Le lien d'achat d'Oxylac est dans la description, comme d'habitude. Et donc vous allez voir, on a rajouté des petits trucs sympathiques des nouveaux modes quoi. Des nouveaux modes. Et vous allez voir aussi, on a préparé quelque chose. Mais je vous laisse la surprise là-dessus. On est parti. Let's go. Regardez, il y a une nouvelle mise à jour de Arc, j'ai une grosse beubare. On dirait que j'ai 45 ans. Et putain de merde. Je ressemble à un clone, c'est au choix. Ouais. Et j'ai aussi des cheveux. Mon gars. Waouh, il est temps que j'aille chez le coiffeur. On pourrait m'appeler. Quel youtubeur a des cheveux dégueulasses comme ça? Beaucoup. Alors, donc. J'ai pas trouvé les ciseaux pour te coiffer par contre. Je suis désolé. Normalement, ils doivent y être, hein. Je sais pas où ils sont. Comme ça, je pourrais te faire une crête et tout, mais je peux pas. Monter ma résistance, voilà, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a un nouveau truc. Oui. Un nouveau truc. Enfin, plusieurs nouveaux trucs. beaucoup de choses en fait. Il y a beaucoup de changements. Déjà, premièrement, on va aller se déplacer en dino. Il va falloir déplacer tous les dinos, mais ça, je le ferai en caméra, c'est pas dramatique. On va déjà se déplacer juste en piaf et tu vas me suivre. Nous allons aller par là-bas. Ah non, attends, je me suis posé. Ouais, c'est bon. Allez, sprint. Non. J'ai dit à plus. T'es trop lourd, non? C'est pas ça? Ah oui, c'est ça. Attends. Trouve-toi un pigeon. Ah, attends, parce que du coup, il a combien de poids, lui? Il y a quoi sur lui? 159 de poids. Ouais. Ah, d'accord. Pas rendu. Toi, il y a juste de la viande périmée. Par contre, je peux augmenter ton énergie. Voilà, 1080, je vais augmenter ton poids. Tiens. Allez. On a pas mal de trucs, mais il va falloir tout transférer. J'ai beaucoup trop de choses sur moi. Allez, monte là-dessus. Voilà, très bien. Et je vais tout transférer là-dedans, comme d'hab. Ah, mais oui, mais j'ai des stacks, de bouffe en fait. Bah, jette-les. Jette-les, ça sert à rien. Attends, allez, hop. Voilà, c'est bon, tout d'un coup, je vais être beaucoup moins lourd. Voilà, hop, hop. Hop. On est prêt. Ok, c'est bon. Je te suis. Eh ben c'est parti, on va aller par là-bas. Petite surprise. Étant donné que nous, ce qui nous intéresse réellement, c'est de capturer tous les Pokémon, hein, de faire la collection, etc. Ton Pokémon, il va 100 fois plus vite que le mien maintenant. T'es encore trop lourd, non? Non, je suis pas trop lourd. Peut-être. Ouais, il est limite en fait. Ouais, tu dois être à la limite. T'as pas des trucs en trop? Ah, mais j'ai tous. Attends, bah 152 pierres, allez, dégage. Porte support! Attention les dinos en dessous, je lance des pierres! 150 cailloux! 150 briques quoi. C'est des météorites le bordel! On va faire l'extinction des dinosaures en live! Nice! Attention, on y arrive bientôt! Non, c'est juste que ton. Ah non, c'est bon, je te rattrape! En fait, t'as grave augmenté la rapidité de ton pigeon! De 5, hein, c'est tout, non? T'es à combien de rapidité, dis-moi, par curiosité? 285. Ah, je suis à 275, t'es plus rapide que moi. Ah, un petit peu, ouais, effectivement. Effectivement. Ceci explique cela, mon gars. Alors, je nous ai rapproché de la neige, je nous ai rapproché de tous les biomes intéressants. Ok. On a construit un petit truc quand même. Tu vas voir. Mais ça. Par contre, c'est super loin. Comment tu vas ramener les Pokémon jusque là-bas? Ah, bah, je vais le faire, mais. Oh putain, un Onyx. Un Onyx? En bas à gauche. Wow. Trop stylé. Énorme. Bon bah voilà, ça marche. Wow, en plus il est carrément mieux fait en fait. Wow. C'est pas le même mode. Non. Est-ce qu'on peut augmenter un petit peu les textures, voir si ça change quelque chose. Wow. Trop bien. Putain. C'est quoi, je veux qu'on en capture un dans cet épisode. Ok, bah viens, on va mettre un Onyx dans la nouvelle base qui est juste à 2 cm de nous. Yeah, il est là! La nouvelle base! C'est quoi ce truc en dessous là? What? Hein? C'est quoi ce Pokémon trop chelou là? C'est quoi un cap humain mais en mode méga évolution ou un truc à la con encore?
Ou un chapon. Non, mais c'est un truc. Ouais, c'est un. C'est un... Alors, regardez-moi cette base qu'est-ce de fait dingue qu'est-ce qu'il a fait. Regardez-moi ça. Alors oui, donc c'est de la base, voilà, c'est de la grosse base, vu que je savais que de toute façon, c'est pas ça la priorité. Je me suis dit, autant qu'on se mette bien, nous, ce qui va nous intéresser dans cette base, c'est l'aménagement et puis la remplir en termes de dino aussi. On a une énorme bémote pour rentrer en haut, là. Comme ça, tu peux te poser. Et tu peux passer ici, par le petit escalier, pour descendre. Juste en bas, c'est ici. Alors, ça, c'est que des fenêtres, hein, les amis. Hein. Ah oui, c'est des fenêtres, ça. Ça, c'est des fenêtres. Pas, hein. Moi, ça me fait chelou à chaque fois. J'ai l'impression d'être dans un bâtiment avec des trous partout. Mais non, pas du tout. Ouais, c'est des fenêtres. Vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, voilà. Donc, voici notre nouvelle base. Tout en métal de partout. Voici notre nouvelle base. On sera bien mieux là-dedans que dans la toute petite ancienne. Oui, un petit peu, mais. Oh, stylé. Onyx. Trop stylé. Dites-moi ce que vous en pensez, les gens. Ce qu'il est comme base. C'est cool, on peut stocker tous les dinos du coup. Là, il y a une trappe en haut, on met tout dedans. Y a pas une de trappe en haut, une trappe en bas, une trappe, tu sais pas partout. Où, mais il y en a partout. On a oublié les dinos dans. On a oublié les dinos. C'est pas grave, on est très bien à pied. À pied. Bon bah à pied. On va chercher un Ionix. On va chercher un Ionix, les gars. On va chercher un Ionix. On va le renommer comme ça. Un Onyx. On va le. Oh, un Reptarcel. Ça. Là. Ah ouais! On en avait pas encore. Ah mais fais gaffe! Ah mais. What? Ah bah t'es pas what bien. What? Mange! Mange! Non? C'est bon! J'ai une jambe cassée! Ah! J'avais plus de vie! Le Reptarcel a failli me démonter! Oui, tout à fait. Wow. On n'a pas mis de lien encore, il n'y a encore rien d'aménagé, mais tout sera aménagé correctement et on va pouvoir découvrir. Pourquoi il m'a attaqué comme ça? Bah, il est agressif, hein, attends, attends, j'ai acheté ses armes là, ça j'ai pas besoin, ça j'ai pas besoin. Il est bien agressif ce reptincel. 114, j'ai pas besoin. Ah mais t'en as plein toi. Ouais, là j'en ai une nouvelle, elle est à 122,9%. Elle est à combien? Mais c'est parce que t'es mort, je sais pas combien. Bah attends, bah 114, 114. Non mais j'en ai une 122,7 encore. Ah, je veux bien. Ah. Merci bien. Voilà. Très utile ça. J'ai vraiment plus de vie là, comment je fais pour me régénérer plus vite? Avec de la bouffe, mais sinon, bah faut courir. Faut que tu cours, et puis à un moment donné tu vas perdre de la bouffe, et puis t'auras plus de bouffe. Oh, j'ai pas envie. J'aime pas mourir. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on crafte des lits, vite fait, qu'on pose là-dedans. Oui. Mais de toute façon, il va falloir qu'on ramène toute notre base ici avec le lit Pokémon dégueulasse là. Tu vois le petit lit. Ah oui, c'est vrai, le lit pour enfants. Le petit lit tout moche là, bah on va en mettre un dans la base. Ça va être trop marrant. Il a endormi. Il endort le Reptarcel. Aïe. Ouah, non. On était tu parti là? Oh, par Carméléon. Mais. Il était pas à côté de nous. Attends, je peux te TP. Mais s'il fait des pop. Ah la violence. Ah, je me lève dans mon lit d'enfant. Ah, ça fait plaisir. Mais moi, c'est Reptarcel qui m'a buté. Il m'a lancé une boule de feu, mon gars. Mais c'est quoi ce délire, quoi? Il tape de loin. Vas-y, je te TP. Mais nos Pokémon, on doit pouvoir s'en servir pour récupérer des ressources. Peut-être. Mais il faut... Enfin, faut pouvoir déjà les monter. Mais... Ah. Mais pourquoi il tape d'ici? Tu veux pas le tuer? Je pense qu'il a pas beaucoup de vie. Mais je peux brûler? Ah, ça c'est un problème. Mais il est à l'autre bout du monde. Il tape pas au même endroit. Mais il m'attaque quand j'arrive près de mon cadavre. Merde, moi aussi. Non, je suis... Ah. Oh, merde. Alors là, par contre, ça c'est la caca. Bon, on revient, hein, tout de suite. Hein. Là, on est vraiment dans la caca. À tout de suite. Bon les amis, ça y est, c'est bon, on est de retour. C'est bon, il est plus on là. On jouait un mauvais tour. No, nice. Allez, let's go. Attends, tu pars où là? Tu pars où? Je vais... Ah oui, c'est vrai, on va t'amener un Ionix. Un Ionix, tout à fait. Je vais récupérer la bouffe que j'ai jetée par terre du coup. Un petit Onyx TV. Hop, voilà. C'est jamais pour t'amener le Ionix. On va taper un Onyx TV. Onyx TV. Viens par là, Onyx TV. Allez, viens. Il est où? Il est en bas. Il y en a deux en plus. Faut regarder un petit peu les levels. Oh là, alors,
On est sur du level 16 et level 32. Donc on va prendre celui qui est tout en bas, il est level 32. Non. Aïe. Tap. Hein? Tap. Non, 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 c'est bon. C'est celui-ci là? Ouais. Bonjour. En plus, il a moins de. Fais gaffe qu'il tape pas. Bon, après, il est carrément bugué en fait. Et, Ok, endors-toi. Ah! Voilà! Il m'a endormi, le salaud! Passer de la nourriture dans l'inventaire pour rien privatiser. Mais tu m'as endormi! Ah, je t'ai endormi! J'ai pris un coup à côté, j'ai fait. J'ai rien pour te réveiller. Ah, nice, super. Ok. C'est pas, tu m'as pas pour longtemps. Non. Moi, je suis en train d'apprivoiser le Yonix. Très bien. Et puis après, je vais ramener. On va l'appeler Onyx TV. Très bien. Onyx underscore TV. Putain. Le PV. Ah, mais il bouge tout le temps, le Onyx. Tu veux en capter mes deux, toi? Non, je veux juste le tuer. Hein? Ah. Donc, qui le balle, t'as tué l'autre à côté? Pas. Tu prends des dégâts ou quoi? Ah non. Pas encore, du moins. T'es énorme. Wow, il fait des attaques ouf. Allez, meurs. Ah, tu touches pas. Ouais, je fais gaffe. Allez. T'as plus beaucoup de points de vie, mon cochon. Allez. Viens par ici. Hop. C'est bon. Bon, voilà. Bah, moi, je vais me réveiller, là, normalement. C'est bon, je suis réveillé. Et l'autre est bien plus fini que t'as mis. Ah oui. Oh putain! Et tu sais qu'on est en XP fois je sais pas quoi, en tamix fois je sais pas combien hein. T'as vu le temps que ça prend? C'est ouf! Ça va? Oh ça prend de la fourrure! Mais lol! Ça t'a fait par un pigeon non? Non, il y a. Ah, okay. C'est bon. Plus proche que ça. C'est bon, c'est bon. Oh, y'a un Carabaf là qui arrive! Bonjour! Carabaf! On a dit au deux cap. Par épisode? Vas-y, si tu veux, prends-le. Petit carabaf. Le carabaf. Mange. La team Giotto. Ah. Vous avez apprivoisé Onyx. Non, je l'appelais Zed. Ah non, il s'appelle Onyx. Vous avez apprivoisé Onyx. Oh, je suis sur sa tête. Quoi? Oh. Oh ouais, oh, il récupère plein de trucs, wow, toutes les berries et tout. Le lézard dégueulasse. Par contre, quand il court, ça fait... Oh, c'est un sacré manège. Oh. Ah bah ça y est, ouais, j'ai tapé ma tortue. Arabelle. Wow. Alors, ce truc... Wow, c'est trop bien pour couper les arbres. Il coupe un arbre en un coup, ça te fait 920 de bois. Ah, cool. Ce Pokémon est génial. Du coup, lui, je vais lui donner du poids à mort. Il bouffe du poids, toi. Voilà, 993 de points. Vas-y, attends, renommé. Ah, ah. Renommé. Tu avances jusqu'à la baise. Oui. Bon, il est où, Turtle, Turtle, allez là. Turtle. Bah, Wartot, c'est le nom anglais de Carabaf. Wartot, oh, Turtle. Turtle, combo. J'arrive à la base. Avec mon homme. C'est ridicule de loin, t'imagines même pas à quel point. Il peut pas monter. Ah, hein. Il peut pas rentrer. Bon, toi, tu vas rester à la porte. Désolé, Onyx. J'aurais bien voulu te faire rentrer, mais t'es un petit peu trop grand. On fera attends, un grand enclos. Oh, t'as un grappin? Oh, la chute. T'as pas un petit grappin? C'est bon, j'ai grappé. Ah, attends, il te suit. Voilà. D'abord. Et viens voir Turtle. Il a plus beaucoup de vie, comment ça se fait? Aucune idée à vrai dire. Mais non, ça fait quoi si je fais ça? Ah, il réagit. Mais il a mis ça. Ah, énorme! Viens par là, Albino! Allez, viens par là! Le ridicule de la situation, quoi. Oh putain. C'est beau, t'es là, Carabaf. Tiens, vas-y, je vais t'amener. Ah, allez, viens par là! Viens par là, Carabaf! Oh, viens! Attends, tu penses que tu peux faire pareil avec Onyx? Non. Non. Si je te prends pas rien. Non, un peu trop lourd.
Non, non, non. Par contre, ça aurait été marrant, c'est que tu bats un mal Onyx comme ça en mode on s'en bat les steaks. Et viens là, toi. Petit Pokémon en cage. Et il peut pas passer la porte. Ah, si, ça y est. Ouais, je peux. Il y a le Pokémon légendaire. Dernier, c'est Bedback là. Il y en a partout de ces conneries. Il y en a partout de ce Pokémon. Il y en a partout. C'est pas légendaire, il y en a partout. Puis il est dégueulasse. Non mais faut pas qu'on dise ça parce que tous les plus jeunes qui jouent à cette... Enfin non mais... Tous les gens qui jouent à cette génération Pokémon du moins, ils vont nous faire incendier... On va se faire incendier parce qu'ils connaissent pas forcément nos Pokémon légendaires à nous, de notre bah époque. Bah oui, oui, mais il est moche. il est peut-être, je sais pas moi, très fort et très classe, c'est le dieu de je sais pas quoi, mais... c'est trop ça maintenant, les Pokémon c'est tous des dieux de je sais pas ah quoi. Ah oui, bah oui, mais c'est tous des dieux. Par contre, j'aimerais poser un truc dans la base. Je vais poser. Un Poké Center. Oui. Oui, tout monsieur. Je vais le poser en haut. Hein. Tout à fait. Ouais. On va se mettre en haut pour les trucs Pokémon et puis en bas pour les trucs normaux. Est-ce que okay. J'aimerais, entre nous, déjà mettre 100 points là-dedans, du coup. Tiens, je t'en mets 50. Alors c'est dans qu'est-ce qu'il va nous faire? Ils sont dans quoi déjà les Pokémon? Consommables. Ils sont dans drogue ou dans viande? Drogue. Drogue. Ok, très bien. J'aimerais voir combien il faut pour Mewtwo. Alors. Comment il s'appelle Mewtwo? Mewtwo. Imagine. Ah oui, Mewtwo. Pas sûr, mais il y a Rayquaza. Mewtwo. Où es-tu, Mewtwo? Alors, si vous reconnaissez des noms anglais, Mewtwo. Ah, il est là. Mewtwo. Wow, 10 000 10 000 crédits. On est pas très bien voqué celui-là, hein. Non, ça va être le dernier, je pense. Je sais pas combien il en fallait pour Rayquaza, mais c'est pareil. Alors attends, parce que du coup on a trouvé des nouveaux trucs. On va nourrir un paquet de fois. Hein. La technique cheatée. Vas-y go, récupérer les piafs. Je vais te montrer plusieurs trucs que j'ai rajouté. Alors, attends, on va déposer ça. On va prendre le recul. Alors, pour ça, il faudrait qu'on transfère les Pokémon. Et ça, on va le faire entre les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Attends, je vais chercher mon recoups. Escalade. Carnage ou je sais plus quoi. Roux carnage, ouais, je pense. Hop. Tout le monde a confirmé que c'était bien un roux carnage et c'est vrai que vu la crête, c'est du roux carnage. Je suis là. Du coup, il va falloir aller chercher les ressources, mais ça, on va le faire petit à petit de toute façon. Mais par contre, on va crafter quand même quelque chose qui va changer la vie. Pourquoi il y a un électeur là? Bonjour. Ça va. Allez, un coup de pied gratuit. C'est un Nidoking ça? Il y en a partout des Nidoking. Allez, ah non. Oh, merde, je suis trop con. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé dans l'eau. Bien joué. Merde, moi aussi. Bonjour. Mais mon Roukoup, il est en train de se battre là. T'inquiète, vas-y, il met des flèches. Il va mourir. Okay. Eh, hey, je me fais défoncer par les piranhas. Ah non, c'est des saumons. Mais des saumons agressifs. Oups. Faut qu'ils se calment. Faut que tu lui dises de se calmer là. C'est toi, ils te suivent toi. Elle dit d'arrêter de me suivre. Alors, il y en a c'est un bon, là. Il s'est posé. Y en a un là. Voilà. C'est bon. Parfait, on peut y aller. Ouais. On peut y aller. Ça, c'est le refuge des. Hein? Démonter un dino avec des pigeons. Allez. C'est quoi ça? J'ai pas suivi. Non, c'est des dinos pourris. C'est le refuge des dinos ici. C'est les derniers survivants, tu sais. Les derniers survivants. Le reste, c'est des Pokémon dans tout le monde entier. Ils prennent la place. Ils prennent le contrôle. Alors. C'est Victor partout qui s'occupe de tous ces électrocutés. Il meurt de la foudre. Bah, regardez.
Salut, il en reste. Vous êtes les derniers. Attends, je l'ai perdu. Je suis là. Tu m'as perdu ? Ok. Je te suis. Ah oui, c'est vrai que tu vois ma distance, toi. Bah ouais, moi je vois tout. Ouais, ouais, alors. Et ouais, mon gars. Là, on va où en fait ? Attends, on retourne à la base, je veux crafter des trucs. Ah, ok. Je veux crafter des trucs, et comme on a tout la base, bah il faut crafter là-bas. Mais tu vas voir, c'est les nouveaux modes. Donc déjà, bah, le Onyx il fait partie du nouveau mode, le Reptincelle fait partie du nouveau mode. Il y en aura d'autres qui feront partie, ça c'est clair et net, du nouveau mode. Ensuite, ce que je voulais crafter, c'était des Pokéballs. Alors attends. Ça. Et ta. Non, c'est pas ça. La viande. Alors, il y a celle-ci, celle-ci. Bon, j'en ai crafté pas mal. Je vais t'en passer. T'avais là. Hop. Genre, on les capture. Ça peut capturer les Pokémon ? Alors, celle-ci et celle-ci. Il y en a une des deux. Alors, celle-ci là, celle que j'ai dans la main, c'est une cheatée. C'est-à-dire que je la balance sur un Pokémon et il est tamé. Ok. Il rentre dans la Pokéball, il est tamé. Donc, c'est laquelle ensuite... La verte ou la rouge ? Alors, bah, c'est la jaune, c'est celle qui tame ouais. Direct. Okay. Ensuite, la verte, c'est pour normalement capturer les Pokémon qu'on a déjà tamés. Genre par exemple lui là. Ok, ça marche pas. Lui. Ok, ça marche pas. Alors on va essayer de réfléchir. Normalement ça marche avec même les dinos. Donc, mais ça se trouve ça marche pas avec les Pokémon, mais quand même. Pas nos tortins qui sont niveau 1. Là je les vois 26 moi. Ah, ça y est. Lui ça marche. Bonjour. Tu t'es peut-être trompé de Pokéball. Peut-être. Alors vous avez rajouté une red machin. C'est une red que j'ai pris. Et après tu peux le réinvoquer. Ok. Ceci est un fail. Il a pas été réinvoqué. Non. Attends, on va utiliser ça. Ok, ça marche pas. On est content hein. Bon bah on a perdu un Tortank. Putain, mais c'est mais quoi ce route nos Pokémon là ? MDR. Tu les as tous enfermés dans des Pokéballs. Attends. Pourquoi non mais j'en ai c'est un, ça de mettre des créatures aussi grandes dans de si petites boules, forcément ils meurent hein. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? J'ai même plus les balls, y'a même plus les dinos. Ah mais... Ah mais pourquoi c'est toi qui les as ? Ça, je te pose la question. Vas-y, réinvoque les autres. Je les ai pas les autres. Mais what the fuck ? Attends, t'as pris quel Pokéball là ? La verte. Ok, bah alors attends, on va sortir la verte. Hein. Par contre, elle est où la verte ? Du coup, je l'ai plus. Bah oui, c'est bizarre. Attends. Bon déjà, on en a récupéré un. On a perdu les... Ok. Pourquoi il manque un Rookool ? T'as balancé une Pokéball sur un Rookool ? Non. Ouais, il manque mon Rookool ! Bah attends, on va être obligé de... Bon bah je vais être obligé de les retaber là, mais putain, c'est quoi ce mode de merde ? Bon bah je pensais que c'était bien, tu vois. Mais c'est de la merde. Hein. Ah mon Rookool ! Ah bah voilà. Il est de retour. Il est là. Oui. Putain, je comprends rien à ce mode. Je comprends rien du tout. C'est quoi ce délire quoi ? Pokéball de mort. Putain. Attends, je comprends rien. Il pète un câble. Use green pocket t'as machin. Pour autant de Pokéball, moi j'en avais qu'une. J'en craft, mais de toute façon ça sert à rien, ça fait rien. Oh attends, j'aimerais tester un truc. Ça fait rien. Non, bouge pas. J'espère que ça marche pas, parce que sinon j'aurais été mal moi dans ma Pokéball. T'imagines, je sais pas comment ils auraient modélisé le truc, mais ça aurait été du grand délire. Putain, et alors attends, parce que du coup je voulais montrer autre chose, parce que du coup va falloir que je retape vite fait les trucs. Plein de trucs par terre. Je fous le bordel moi. Attends, c'est où ? Est-ce que ça marche au moins ? Alors, Pokémon, le Pokébench. Il est où le Pokébench ? Pokébench. Métal et bois. Bon, bah ça va. Voilà. Écrire une note. Non, je veux pas écrire une. Qu'est-ce qu'il fait ? Il m'a frappé.
Tiens, regarde. Pokébench. Wow. Alors, est-ce qu'on a appris. Est-ce que t'as appris les structures? Ah bah non, on les a déjà de base. Oh putain! Wow, regarde, trop cool! Il y a plein de trucs de. Yeah, on va pouvoir personnaliser. Et il faut rien en plus, il faut un bois à chaque fois. Un bois. Oh énorme! Trop bien! Vas-y Marie, les taux, on va pouvoir faire des petites armoires, un petit coin pour chacun. On fait ça dans le prochain épisode. Tout à fait, et je vais. Ouais, les Pokémon les utilise plus, hein, et puis je retame ces saloperies. Ça va se faire des Ponitas, grave, on les tamera plus tard. Ah ouais, bon non mais. Ah il manque le Ponita. Ah, d'ailleurs, il manque juste Ponita, donc ça va. Ok. Ouais, il manque Ponita et un partant. Oui, voilà. Oui. Oui. Tu disais d'ailleurs. Je voudrais tester un truc. Est-ce que on peut faire. Ah, non. Tu voulais porter Tortank? Attends, c'est chaud. C'est dur. Attends, tu veux me grab, c'est ça? Non, c'est pas toi que je veux grab, c'est Tortank. Ah, mais non, mais tu peux pas. Et bien ouais, trop mais gros. Ça serait plus pratique pour emmener les Pokémon. Ah bah ouais, je sais bien, sinon on tame un Quetzal et on emmène tout hein, mais c'est pas un Pokémon. Y'a pas le Pokémon Quetzal, y'a pas le grand. Pas enfin si, y'a, je dis de la merde. Mais ça s'appelle Lugia et on est pas près de l'avoir. Ah oui, c'est vrai, mais Lugia on peut le spawner. Attends, ah bah attends, vas-y, on va voir qu'est-ce qu'il faut pour spawner un Lugia. C'est dans quoi déjà, consommable et drogue? Cario, Lugia, Rayquaza, Groudon, Palkia, Xerneas, ça bah tiens le Pokémon légendaire il est là, Dialga, Mewtwo. Il est peut-être dans l'autre mode, ce qui fait que du coup il est pas dans le Poké Center, mais que tu peux quand même le faire spawn d'une autre façon. Ah. Mais ouais, on verra ça. Ça se trouve, on le trouvera, mais de toute façon, on va trouver ça au prochain épisode. Tout à fait, ouais, clairement. Ce corps, avec cette barbe et cette chevelure. Putain. Ah mais il la garde en plus, sa chevelure magnifique, là. Et bah sur ce, nous on se retrouve pour le prochain épisode. L'épisode numéro 6. Ouais, n'hésitez pas à laisser un like, c'est très important, ça m'aide beaucoup. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Le lien de la chaîne d'Oxylac est dans la description. Mm-hmm. Puis voilà. On se retrouve pour le prochain épisode. Portez-vous bien. C'était Yonix et Oxy. Salut tout le monde. Salut tout le monde. À la prochaine.